Bienvenue et bonne fête de l'Ascension à tous. L'ascension, fête chrétienne, est célébrée 40 jours après la Pâque et dans la tradition chrétienne, elle marque l'élévation au ciel de Jésus-Christ après sa résurrection et la fin de sa présence sur terre. Cet événement est célébré donc aujourd'hui. À l'instar de toutes les églises catholiques, la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody a organisé une messe tôt ce matin. Cette année, le message porte sur la réconciliation, le pardon, la fraternité, la paix en Côte d'Ivoire. Nous reviendrons largement sur cet événement dans notre édition de 13 heures. Depuis quelques semaines, des commerçants demandent à l'État d'accepter le dédouanement des marchandises hors CDAO aux frontières terrestres de Côte d'Ivoire. Après une rencontre ce mercredi entre ministre en charge du budget et responsable de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, un protocole d'accord a été signé. À partir de demain, vendredi jusqu'au 2 juillet 2014, les marchandises hors CDAO seront dédouanées au bureau des douanes de Noé, Niablé, Sipilou, Pogo et wangolo le reportage de Francis Poifot. Du, du 29 mai au 2 juillet prochain, les marchandises hors CDAO peuvent être dédouanées aux frontières terrestres de la Côte d'Ivoire, au bureau des douanes de Noé, Niablé, Takikro, Sipilou, Pogor et Wangolodougou. C'est le fruit des négociations entre l'État, représentées à cette signature de protocole d'accord par le directeur général des douanes, le colonel-major Issa Koulibaly, et le président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, Fenassi, Farikou Soumaoro. Les documents exigibles pour chaque opération de dédouanement sont la liste de colisage, la copie de la déclaration de transit, la lettre de voiture. Les déclarations pourront être établies par les commissionnaires en douane agréée ou par déclaration simplifiée. Les opérations sont traitées exclusivement par les services de douane. Du 2 juillet au 30 août 2014, les dédouanements aux frontières terrestres se feront dans les mêmes conditions qu'au port d'Abidjan, a indiqué le ministre en charge du budget, Abdourahmane Sissé, précise que ces dispositions visent à garantir l'équité dans le traitement des importateurs. Pour les commerçants, cet accord témoigne de la volonté de l'État de soulager les opérateurs économiques. Au nom de tous les commerçants de Côte d'Ivoire, je remercie le gouvernement d'avoir eu une, une oreille attentive à nos préoccupations. Les commerçants jouent un rôle assez important dans l'économie ivoirienne. Donc à chaque fois qu'ils ont un problème, nous sommes aussi alertés parce que c'est un problème que nous avons aussi. Toujours dans le cadre des concertations entre l'État et les commerçants, une rencontre est prévue vendredi prochain, a annoncé le ministre en charge du budget. La fièvre Ebola, vous le savez, a fait des victimes. En Guinée. Et il y a quelques jours, des cas ont été détectés en Sierra Leone, pays voisin à la Guinée, pour éviter la maladie en Côte d'Ivoire. Les autorités ont pris des mesures au nombre desquelles la non-consommation de la viande de brousse. Ces mesures sont-elles respectées En tout cas, le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale, mène le combat sur le terrain pour lutter contre cette pandémie. Et hors de nos frontières, en Centrafrique, au moins 15 personnes, dont un prêtre, ont été tuées hier à Bangui et une trentaine blessées dans l'attaque d'une église par un groupe armé. En Égypte, en image, les partisans du maréchal Al-Sisi ont fêté toute la nuit la victoire de leur candidat à la présidentielle. Selon des chiffres officieux, Sisi a obtenu 97% des voix contre 3% seulement pour son adversaire de gauche, Amdine Sabahi. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information 13h. Merci de votre fidélité.